Dans le cadre du projet Jenga Maarifa 2, trois hôpitaux ont bénéficié d'un appui à l'aménagement et l'organisation de leurs ateliers de maintenance biomédicale. Au sud Kivu, les hôpitaux généraux de référence de Chiriri et de Nyantende. Et à Goma, l'hôpital provincial du Nord Kivu. La maintenance biomédicale est une activité bien spécifique. Les techniciens interviennent sur des équipements vitaux, souvent très sophistiqués. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, leur maintenance doit être réalisée dans un atelier dédié, séparé des activités de plomberie ou d'électricité. Le diagnostic mené en début du projet avait mis en évidence le besoin de renforcer des ateliers biomédicaux. En l'état, il ne permettait pas aux techniciens, même formés, de mener à bien leur mission. L'appui aux ateliers des hôpitaux de Chiriri et Nyantende a consisté à obtenir des locaux et les rénover, faire construire des étagères, des armoires et des établis, doter les ateliers des bacs de rangement, des caisses à outils et des testeurs, constituer un stock des pièces détachées et accessoires, et enfin, accompagner les techniciens à la mise en œuvre d'outils de gestion biomédicale. À l'hôpital provincial de Goma, l'appui à l'atelier a consisté à acheter un testeur de ventilateurs, puis à former les techniciens à son utilisation. Cet hôpital a également obtenu des bacs de rangement, des pièces détachées et de l'outillage. Les techniciens ont été sensibilisés à l'importance d'organiser leur espace de travail entre une zone technique dotée d'un établi, des espaces de stockage, un bureau pour le travail administratif. Les ateliers soutenus par le projet Jenga Maarifa 2 vont permettre de réaliser la maintenance des équipements dans des meilleures conditions. Ces ateliers donnent une plus grande visibilité à l'activité biomédicale. Ils contribuent ainsi à la reconnaissance du rôle essentiel des professionnels biomédicaux dans la qualité et la sécurité des soins, à condition que les services biomédicaux continuent à disposer d'attention et des moyens.